Bonjour Pascal, j'espère que tu vas bien. Mais écoute, je vais bien et j'ai le plaisir en fait de te retrouver, pas pour la première fois, parce qu'effectivement on se retrouve, on a eu l'occasion déjà d'échanger pour d'autres vidéos. En particulier, c'était autour de nos histoires, j'ai envie de dire singulières. Et pour ce qui te concerne, tu parlais dans cet échange vidéo un petit peu de ton histoire parfois un peu mouvementée, compliquée, on peut le dire, au niveau de ton enfance et de ton passage à la DAS. Et ce qui m'avait interpellé à l'époque, c'est que malgré cette difficulté et une vie quelque part complètement différente de la mienne, à un moment donné, tu t'es intéressé à Spinoza, ce qui est quand même un philosophe assez compliqué à comprendre, à entendre, et puis ça remue pas mal, c'est-à-dire que ça remet le cas échéant en perspective et ça bouleverse éventuellement pas mal aussi les convictions religieuses que l'on peut avoir. Et donc, ma première question que j'ai envie de te poser, Cyril, c'était de savoir finalement en quoi Spinoza te parle-t-il et t'a-t-il parlé par le passé, au point justement que tu effectivement entrais de manière régulière sur ta chaîne YouTube, mais également dans tes échanges avec d'autres sur Facebook, et en quoi également plus largement Spinoza peut encore nous parler aujourd'hui. Alors Spinoza a été intéressant. Alors je vais déjà dire pour moi pourquoi il a été intéressant et puis ensuite pourquoi je trouve qu'il est intéressant à notre époque. Pour moi, il a été intéressant parce que quand j'allais en mosquée, quand j'allais prier, donc voilà, on essaye, en tout cas moi je suis rentré dans cette religion pour essayer d'avoir un meilleur comportement puisque je venais de la DAS. J'avais pas de, comment dire, j'avais pas de d'héritage en fait culturel, cultuel. De code de vie en fait, hein, de mode d'emploi de vie, j'avais voilà, j'avais absolument rien. Et donc du coup, ben, je me suis dit l'islam, voilà, c'est ce qu'il y a à dispo quand on est dans des quartiers comme il y en a maintenant beaucoup en Europe. Et du coup, j'ai trouvé l'islam à disposition. Simplement, quand j'allais en mosquée et puis quand je voyais mes amis musulmans, je trouvais que leur comportement n'était pas non plus d'une hauteur éthique vraiment impressionnante. Alors, je me disais, bon, c'est peut-être parce que ce ne sont pas très bons musulmans, peut-être que moi, je vais essayer de faire mieux. Et puis, je voyais bien que, voilà, les prêches et les écrits, le Coran, tout ça ne me parlait pas énormément. C'était, je sais pas, il y avait un truc qui manquait. Il n'y avait pas de hauteur véritable au niveau spirituel. Il n'y avait pas de dimension spirituelle noble. Il y avait des bêtises. Il faut rentrer aux toilettes avec le pied droit. Il faut manger avec la main droite. Il faut dire pardon quand on fait ci, il faut. Enfin, bref, un mode d'emploi pour pantin, en fait, j'avais l'impression. Et beaucoup de choses aussi qui étaient dites autour du sexe, où il y avait beaucoup de contraintes, il fallait contrir les désirs, il fallait vivre dans une espèce de contrition avec une chape de plomb, où on devait étouffer toute envie de vivre. On avait vraiment cette impression. Alors, je l'analyse a posteriori, évidemment, sur le moment, je ne le sentais pas comme ça, mais je sentais juste un mal-être et je ne comprenais pas tellement pourquoi. J'ai toujours aimé lire, donc voilà, je l'ai dit dans d'autres vidéos où j'ai échangé avec toi, je ne reviens pas là-dessus, mais du coup, je suis tombé un jour sur Spinoza par hasard dans un dépôt-vente. Je suis tombé sur l'éthique et le traité des autorités théologiques et politiques. Alors, j'ai commencé à lire l'éthique. J'ai rien compris. C'est tellement aride, c'est tellement compliqué. Ceux qui sont déjà allés à l'éthique comme ça, c'est incompréhensible. Par contre, le traité des autorités théologiques et politiques est tout à fait accessible pour peu qu'on y mette un peu de temps, voilà, même si j'étais jeune, pour peu qu'on essaye de. Et du coup, l'angle de Spinoza est intéressant parce que l'angle de Spinoza, ça n'est pas simplement de se positionner en disant je crois en Dieu ou je crois pas en Dieu, ce qui a tendance à un petit peu focaliser, enfin, non, dualiser le débat, c'est-à-dire que voilà, moi je crois en Dieu, toi tu crois pas, nanani, nanana, et chacun reste sur ses croyances. Alors que Spinoza propose une voie que je trouve intéressante pour les croyants, croyants que je suis toujours d'ailleurs, mais c'est aussi intéressant pour quelqu'un qui voudrait sortir d'une religion, c'est-à-dire que en fait Spinoza te fait sortir de la religion en douceur, ou bien il te fait sortir de la religion tout en gardant ta croyance en une force suprême. Et il le fait parce que pour lui, en fait, je trouve que son argumentaire est très intelligent. C'est qu'en fait, il nous propose d'aller à la connaissance de Dieu, mais par la rationalité. C'est-à-dire que pour lui, Dieu est partout et dans tout. Dieu est immanent. Dieu est substance infinie.
qui est dans absolument tout. Donc, quoi que tu regardes, quoi que tu étudies, quoi que tu analyses, en fait, tu analyses une partie de la substance infinie que Spinoza appelle Dieu. Alors, le mot Dieu est très connoté. Pour Spinoza, Dieu, c'est la, comment dire, on pourrait dire l'énergie primordiale. On pourrait appeler ça la vie. Ce n'est pas véritablement un Dieu barbu qui juge, qui… D'ailleurs, Spinoza critique beaucoup ce Dieu anthropomorphique qui aurait les mêmes désirs que nous, les mêmes idées, les mêmes attentes, voire même, pour Spinoza, Dieu ne peut pas avoir de but. Puisque pour qu'il y ait but, il faut qu'il y ait écoulement de temps. Si Dieu est éternel, il ne peut pas s'écouler dans le temps. Donc, il ne peut pas avoir de but. Donc, si lui n'a pas de but, pourquoi nous, on en aurait un ? Donc voilà, en fait, là, je t'ai déployé juste en fait, un exemple pour montrer que Spinoza, en fait, va, au lieu de nous avilir, comme il le dit lui-même clairement dans le traité des autorités théologico-politiques, au lieu de nous avilir avec des superstitions et avec des croyances infantilisantes qui nous rendent dépendants des textes, dépendants des professionnels de la religion, pareil, hein, je cite, c'est ces mots, les professionnels de la religion, qui, selon lui, sont très promptes à nous dire comment vivre, mais ne s'appliquent pas ce qu'ils nous disent, et ce qu'ils nous appliquent en plus est idiot, mais il nous invite à l'autonomie de la pensée, à l'autonomie de la spiritualité pour ceux qui veulent rester dans une spiritualité, mais ce n'est pas forcé. D'ailleurs, il y a de nombreux spinozistes qui pensent que Spinoza est athée, et de nombreux spinozistes dont je suis qui pensent que Spinoza est déiste. Donc ça, c'est voilà, quand on lit un livre, chacun se l'approprie, chacun le comprend avec ses armes. Mais en tout cas, Spinoza met vraiment en pièces les monothéismes et il met en pièces ce Dieu qui est anthropomorphique à plus d'un titre. Il est anthropomorphique parce qu'il aurait un but, je l'ai dit. Il serait anthropomorphique parce qu'il juge, parce qu'il aurait des colères comme les hommes. Il aurait envie qu'on lui baise les pieds, qu'on le prie, qu'on l'adule, qu'on le mette sur un piédestal, etc. Et pour Spinoza, Dieu ne peut pas être ça. Un Dieu parfait est forcément plus haut que nous, plus haut que ça. Et donc, du coup, pour un croyant sincère, je trouve que l'angle est intéressant parce que du coup, tu n'as pas l'impression de trahir ta croyance et de trahir ton envie d'aller voir Dieu. Au contraire, tu vas te dire, mais bon sang, mais le Dieu de Spinoza est mille fois plus beau que celui qu'on trouve dans les monothéismes. Il est mille fois plus éthique. Et là, tu commences à avoir une hauteur spirituelle qui est vraiment intéressante. Quant à celui qui n'a pas envie de spiritualité ou qui peut-être aurait un esprit plus athée et serait peut-être plus dubitatif quant à l'existence de Dieu, eh bien, il va y trouver une critique rationnelle, mais vraiment géométrique, nous dit Spinoza, parce qu'un géomètre ne se satisfait pas des croyances. Pour Spinoza, un géomètre se contente de démontrer, et quand il a démontré, on ne peut pas dire je crois ou je crois pas, on sait ou on ne sait pas. Et donc Spinoza nous démontre géométriquement. Il faut savoir que Spinoza connaissait pratiquement toute la Torah et la Bible par cœur. Il connaissait les livres aussi comme le Deutéronome, le Léviathan, etc. Donc, il était vraiment très calé. Il a vraiment beaucoup travaillé sur les textes et il était capable de les démonter et d'en montrer tous les paradoxes, tous les aspects qui ne sont pas logiques et tous les endroits de la Bible où Spinoza nous explique qu'en fait, il s'agit ou d'aphorismes ou de métaphores, mais jamais de la réalité. Il donne des exemples précis. Quand il nous parle des miracles, par exemple, pour l'exemple des miracles, c'est vrai qu'il part vraiment dans la rationalité, dans le sens où il nous dit si Dieu émet des lois, c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que vraiment, on est dans la rationalité la plus pure. C'est-à-dire que si Dieu émet des lois, ces lois sont infinies comme lui. Faire un miracle, ça voudrait dire que Dieu émet une loi qui va à l'encontre de toutes ces lois. Ça n'a pas de sens. Dieu est infini, il connaît tout, il est détenteur du temps, donc Dieu ne peut pas faire de miracle. Donc, ce qui nous est raconté dans la Bible n'est pas vrai, ça n'est pas possible, ça n'est pas logique, ça n'est pas rationnel. La rationalité, la mathématique de la physique, tout ça, c'est une création de Dieu. Dieu est forcément rationnel et logique. S'il ne l'est pas, si quelque chose n'est pas logique, n'est pas rationnel, ça n'émane pas de Dieu pour Spinoza. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je suis parti un peu… Non, tout à fait. On a déjà bien effectivement entamé la discussion sur qui est Spinoza, finalement, sa manière de philosopher. Hein. Pour rappel, quand même, il est né le 24 novembre 1632 à Amsterdam et il est mort le 21 février 1677 à La Haye. C'est dire quand même que ça fait pas mal de siècles. Et quand on parle évidemment de sa critique
des textes sacrés, ben évidemment, nous, en tout cas dans le catholicisme, on y est arrivé avec la crise moderniste, je crois au début du 19e siècle seulement. Donc ça veut quand même dire que Spinoza avait déjà une sacrée longueur d'avance sur les exégètes catholiques, qui pour les plus progressistes ont d'ailleurs dans un premier temps été excommuniés avant effectivement que la critique des textes dits sacrés soit effectivement, je dirais, adoptée comme une nécessité pour essayer de contextualiser aussi les dits textes sacrés. Mais en fait, quand tu parles, Cyril, de la rationalité de Spinoza, est-ce que ça veut dire qu'il a, j'ai envie de dire, entre guillemets, conceptualisé Dieu uniquement au travers de la raison, ou bien est-ce qu'il a, je dirais, eu quelque part des expériences que l'on pourrait du coup qualifier de mystiques, au sens des mystiques chrétiens, mais également il y a des mystiques dans les autres religions, en ce compris en islam. Est-ce que Spinoza, en d'autres termes, a vécu des expériences entre guillemets transcendantes? Non, Spinoza n'a pas vécu d'expérience mystique ou transcendante, bien qu'il semble avoir un respect relatif, mais quand même un respect particulier du Christ et de son éventuelle expérience mystique. Lui-même n'a pas eu d'expérience mystique. Et d'ailleurs, pour lui, un Dieu transcendant n'existe pas, puisque pour lui, Dieu est immanent, c'est-à-dire que Dieu a toujours été là, n'a rien créé. Et d'ailleurs, il ne nous a pas créés, nous, en fait, dans un but. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de passage, il n'y a pas d'examen de passage comme dans les monothéismes. Et Spinoza, en fait, envisage Dieu uniquement par la rationalité. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a qu'un seul moyen d'aller à Dieu, c'est d'y aller par la rationalité la plus pure. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Mais encore une fois, le mot Dieu est assez compliqué à utiliser parce qu'il est connoté. C'est-à-dire, quand on pense Dieu, on pense tout de suite le Dieu des monothéismes. Vraiment, pour Spinoza, j'insiste, Dieu pourrait être l'énergie primordiale. D'ailleurs, Einstein, qui se réclamait de Spinoza quant à sa spiritualité, avait bien compris ça, puisqu'il disait, quand son rabbin lui demandait s'il croyait en Dieu, eh bien, il avait répondu dans une lettre que ça dépendait de ce qu'on entendait par Dieu. Mais si par Dieu on entendait l'énergie cosmique de Spinoza, alors oui, il croit en Dieu. Alors peu importe, je ne dis pas ça pour me donner de la crédibilité, chacun restera sur ses croyances, et Einstein s'est trompé sur certaines de ses théories, ce n'est pas le propos. Le propos, c'est simplement de dire que vraiment pour Spinoza, il était important de dire que son Dieu, le Dieu qu'il envisage, il le dit Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. C'est-à-dire que quand il dit la nature, il ne dit pas les marguerites et voilà. Pour lui, la nature, c'est le cosmos. Voilà. Et pour lui, c'est ça, Dieu. Nous sommes partie de Dieu. Si tu veux, dans l'esprit de Spinoza, je suis partie de Dieu, je suis un mode particulier de l'émanation de Dieu qui parle à une autre partie particulière, à un attribut, nous dit Spinoza, ou à un mode, si on parle de ta pensée, particulier de Dieu. C'est ça. Nous sommes tous les deux, en gros, partie de Dieu. Mais comme pourrait l'être une table, les objets inanimés sont aussi partie de Dieu. Simplement, ils ne sont pas sur les mêmes attributs et le même mode. Alors après, on adhère ou pas, mais vraiment, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Spinoza, déjà d'une, est vraiment dans une critique, mais extrêmement carrée des monothéismes. Je veux dire, je l'ai fait lire à ma fille, elle a 19 ans. Tu ne peux pas ressortir d'un livre, tu ne peux pas ressortir du traité des autorités théologiques et politiques en te disant, ouais, le monothéisme, c'est sûr, c'est ça. Forcément, ça va te faire réfléchir, mais c'est sûr. Et puis aussi, il traite, j'en ai pas parlé, mais dans le traité des autorités théologiques et politiques, il traite aussi d'un sujet qui est extrêmement actuel aujourd'hui, c'est les rapports qu'il doit y avoir, la charnière qu'il doit y avoir entre la théologie et la politique. C'est-à-dire que Spinoza nous invite à réfléchir sur qui doit commander qui. Est-ce que le théologique doit primer sur le politique ou est-ce que le politique doit primer sur le théologique et pourquoi? Et selon Spinoza, évidemment, c'est le politique qui doit commander le théologique et le théologique doit rester à sa place, doit gouverner uniquement le spirituel et pas le temporel. C'est Alors, ça. dit comme ça paraît assez banal aujourd'hui, mais Spinoza démontre le pourquoi du comment. Il ne se contente pas simplement de dire, il explique pourquoi. Et il va assez souvent, alors pas trop dans le traité des autorités théologiques et politiques, quoique un peu, mais dans l'éthique, il va vraiment dans la psychologie humaine. C'est-à-dire que pour Spinoza, le fait même d'imposer une morale comme le fait l'Église, ça veut dire mettre un couvercle et une chape de plomb sur nos désirs. Ce qui fait de nous des
marmite, des cocottes minutes, avec plein de désirs contrits qu'on tient de toutes nos forces tant qu'on n'est pas fatigué, puis le jour où on est crevé, bam, ça éclate. Et c'est un des premiers à avoir fait de la psychologie comme ça. Je me demandais pourquoi Freud, par exemple, se réclamait dans ses travaux de Spinoza. J'ai compris, Spinoza est un des théoriciens de l'inconscient, même si lui ne l'appelle pas comme ça. Donc voilà, il est vraiment intéressant sur tous ces sujets-là. C'est un laïc, quoi, en fait, Spinoza. Là aussi, pour le coup, il est déjà en avance vachement sur son temps en comprenant qu'il est absolument indispensable de séparer la religion de l'État si effectivement on veut que chaque être pris dans son individualité puisse effectivement se réaliser pleinement en tant qu'être humain sans, comme tu le disais, avoir une chape de plomb sur lui ou bien une sorte d'épée de Damoclès qui effectivement te tomberait dessus en fonction de. Du bien ou du mal qui serait censé effectivement gouverner ta vie aux yeux des religions et de leurs diktats. Mais ce qui est intéressant, parce que tu en parlais également tout à l'heure en parlant du Christ, c'est vrai que j'ai lu en fait qu'il se sentait plus proche du christianisme que de l'islam, tout en s'étant pas converti au Ah, il se christianisme. sentait. Mais il se sentait proche en fait de Jésus, en fait, du personnage Jésus. Exactement. Et pour lui, le christianisme et même les écritures saintes, qui pour lui ne sont pas saintes du christianisme, ont dénaturé ce qu'était Jésus. C'est-à-dire qu'effectivement, on sent qu'il a une tendresse pour Jésus-Christ, mais il n'a pas du tout de tendresse pour le christianisme. Vraiment, il lui règle son compte dans le traité des autorités théologiques et politiques. Vraiment, il lui règle son compte. Et il l'a fait également pour le judaïsme et un peu moins pour l'islam, bien que, il explique dans une de ses correspondances que l'islam surpasse l'Église de Rome dans le fait de manipuler les gens et de les emmener vers quelque chose qui n'est pas éthique, parce que selon lui, l'islam n'a jamais fait la différence entre le spirituel et le temporel. C'est le grand défaut de l'islam pour Spinoza, et je pense qu'il a raison. Et puis, il y a d'autres choses qui sont extrêmement actuelles chez Spinoza. Spinoza parle d'une liberté de penser, illimitée. Il parle également d'une liberté de dire, de parler, de penser. Il parle également du fait, de guider les citoyens par la rationalité, et uniquement par la rationalité. Et pas seulement pour aller, vers Dieu, mais pour faire fonctionner la démocratie. Spinoza nous explique quand même, il y a 300 ans, qu'une démocratie ne peut pas fonctionner avec des citoyens qui ne sont pas instruits. Il faudra attendre en France la Troisième République pour avoir l'école gratuite, le moment où on a compris ça. Spinoza l'avait compris 200 ans avant. Donc c'est vraiment très intéressant pour tous ces aspects-là. Et Spinoza aussi, ce que j'aime bien, je te le disais en off, c'est qu'en France, on a une conception émancipatoire de la liberté. Donc je le redis pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que pour nous Français, même ceux qui ne savent pas le verbaliser, on a cette ambiance, on est dans cette ambiance où, pour un Français, être aliéné, c'est-à-dire avoir un voile, c'est pour ça qu'en France, pendant très longtemps, toutes les sectes comme les Témoins de Jéhovah, la Scientologie est encore interdite. Les Témoins de Jéhovah, c'est l'Europe qui nous ont imposé de les tolérer, parce qu'avant, c'était interdit en France. En France, on a un rapport assez agressif avec les sectes, parce qu'une aliénation, pour un Français, n'est pas une liberté. Comme ça pourrait être le cas pour les États-Unis, où on peut aller à la Scientologie, on peut porter le voile, on peut faire partie du Ku Klux Klan ou des Nation of Islam. Toutes ces espèces de sectes, quand on est aliéné à ces sectes aux États-Unis, eh bien cette auto-aliénation n'est qu'un seul de nos droits. Enfin, même pour un Américain, le droit le plus important, c'est la liberté individuelle, la liberté de faire ce qu'on veut. Le Français, lui, va moins idolâtrer cette liberté individuelle, voire même il est capable de renier cette liberté individuelle pour aller vers une liberté émancipatoire qui va venir par l'instruction, par l'éducation et par la puissance de la rationalité. Qu'est-ce que ça a à voir avec Spinoza? Eh bien, c'est exactement ce que Spinoza propose dans ses livres, c'est de nous émanciper, de nous autonomiser et de nous rendre libres par la puissance de la rationalité et par l'émancipation de notre condition, même s'il n'utilise pas ces mots, mais en tout cas l'émancipation de notre communauté. Et puis Spinoza est universaliste, mine de rien. Pour Spinoza, les Juifs, il le dit clairement, les Juifs sont restés ce qu'il appelle un empire dans un empire, c'est-à-dire une nation dans une nation. Et là, il critique le communautarisme juif en disant que les Juifs se sont attirés la haine des autres nations parce qu'ils ont gardé leurs us et coutumes à l'intérieur de nations qui n'ont pas les mêmes us et coutumes. Et pour Spinoza, il faut aller vers la puissance de la rationalité, puisque la rationalité est la seule chose que nous avons tous en commun et qui nous est universelle à tous les êtres humains. Et ça permettrait, selon Spinoza, encore une fois, il le dit clairement, de s'émanciper des fadaises de la religion et de s'émanciper des professionnels de la religion qui ne cherchent qu'à les infantiliser et à les avilir pour les contrôler.
Et comment, du coup, en fait, Cyril, tu expliques que malgré l'esprit des Lumières qui précisément a traversé la France depuis des siècles, comment on arrive, malgré tout, justement et précisément en France, à avoir une telle difficulté pour certains musulmans, précisément, d'œuvrer, j'ai envie de dire, en vue du vivre ensemble et non pas d'œuvrer en vue de permettre à l'islam d'être de plus en plus présent avec le communautarisme que ça implique. Et le premier communautarisme visible, peut-être, c'est justement le fait de voiler les femmes, parce que là de fait, c'est une sorte de marquage visuel. Comment tu expliques cette tension qui paraît un peu inextricable entre un souhait de vivre de manière bienveillante, apaisée, en gardant justement ses propres convictions, religieuses, quelles qu'elles soient, dans la sphère privée, et le fait pour certains de vouloir absolument effectivement manifester cela, envers et contre tout, et je dirais non seulement évidemment dans la sphère publique, ce qui est autorisé, mais également dans les administrations, dans l'établissement scolaire, dans les piscines, etc. Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Je ne vais pas en faire une liste exhaustive, mais je vais parler des principaux. Les principaux, c'est selon moi déjà une immigration massive. On a beau dire ce qu'on veut, on va peut-être me dire que je dis comme Zemmour ou que je dis comme ces gens qu'il faudrait haïr par principe. Mais je pense qu'il y a quand même une histoire d'immigration parce que l'immigration des pays arabo-musulmans et du Maghreb, en l'occurrence pour la France, est vraiment différente des autres immigrations intra-européennes qu'on a eues, puisqu'on vit vraiment selon des anthropologies qui sont différentes. On voit les choses vraiment d'une manière très différente. Il y a, je ne sais plus quel anthropologue, j'ai zappé son nom, mais qui montrait dans son livre et qui expliquait comment l'Occident est une anthropologie de la transparence, du visible, et comment la civilisation arabo-musulmane est une anthropologie de la pudeur, du voilement, où l'on se cache, où on cache. En islam, c'est très connu, par exemple, c'est très mauvais de montrer ses défauts. Avoir des défauts, on le sait, on en a tous, mais il ne faut pas les montrer à la communauté, il faut les cacher. Ce n'est pas bien de montrer. Il ne faut pas dire à quelqu'un que telle personne a un défaut, même si c'est pour le protéger. Ça ne se fait pas, on les laisse se débrouiller, etc. Alors que. Donc ça, c'est juste un exemple, en fait. Il y en a plein des exemples comme ça. L'appréhension des femmes, l'appréhension du rapport homme-femme, etc. Toutes ces choses font qu'on a des anthropologies qui sont vraiment différentes. Donc ces anthropologies se choquent à cause du nombre. Mais il n'y a pas que le nombre. Il y a aussi le fait que, eh bien, les pays comme la France n'ont plus accueilli et n'ont plus véritablement assimiler ces populations comme elle le faisait avant, comme elle l'a fait par exemple pour les Portugais ou pour les Italiens. C'est-à-dire qu'on n'essayait même plus de faire de ces nouveaux arrivants des Français. Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que déjà, je pense qu'on a été faible, au niveau de la gauche, on a été faible sur les principes universalistes. Et puis parce que quand ces gens sont arrivés au départ pour reconstruire le pays, ils devaient repartir. Mais ils ne sont pas repartis. Donc on s'était dit, on ne va pas en faire des Français puisqu'ils vont repartir. Sauf qu'ils ne sont pas repartis. Ils sont là aujourd'hui avec des descendances. Un autre point qui me paraît important, c'est que même quand on parle à un Français qui est né ici, comme je le disais tout à l'heure, il a un héritage culturel. Il sait pourquoi, enfin, il sait à peu près pourquoi il n'aime pas trop le voile. Il sait à peu près pourquoi l'anthropologie islamique lui pose problème. C'est pas du racisme. C'est simplement que voilà, c'est vraiment trop différent, très différent pour lui. Et c'est pas universaliste. Et c'est pas la religion qui passe en second et le statut de citoyen en premier. Donc ça dérange profondément les Français. Mais ils ne savent plus l'expliquer. Pourquoi ils savent plus l'expliquer? Eh bien, tout simplement parce que dans les écoles, on n'en parle plus. Tout simplement, moi, ma fille a 19 ans. Elle va rentrer à l'université bientôt. On ne lui a jamais parlé de laïcité. On ne lui a jamais parlé de l'universalisme. On ne lui a jamais parlé de féminisme universaliste. On ne lui a jamais parlé de comment fonctionne l'appareil d'État. On ne lui a jamais expliqué quel est le parcours d'une loi. C'est-à-dire que l'instruction civique dans notre pays n'est plus enseignée. Je crois que c'est 1 heure tous les 15 jours et il parle de trucs qui n'ont enfin, absolument aucun, comment dire, aucune utilité concrète dans la société. Donc on n'apprend plus tout ça. Donc on a aujourd'hui une génération de citoyens, et c'était déjà le cas pour ceux de mon âge, on a une génération de citoyens, quand on lui parle de laïcité, il ne sait pas.
C'est quoi la laïcité? La loi de 1905? Eh ben non, la loi de 1905, c'est pas de bol. Elle contient même pas le mot laïcité dedans. En fait, la loi de 1905 n'est pas une loi laïque. Enfin, c'est une loi laïque, mais c'est pas une loi qui est censée tout dire de la laïcité. C'est simplement une loi de séparation des églises et de l'État au sein d'une société qui est en cours de laïcisation. Certains remontent à Montaigne. C'est-à-dire que ceux qui remontent à Montaigne nous disent que la France est en processus de laïcisation depuis 500 ans. Donc, réduire les choses à l'aspect juridique, et ça, c'est quelque chose qui nous vient des États-Unis, le fait de tout rendre juridique comme ça. On a un esprit des lois, nous disait Montesquieu. Et en France, on est très imprégné de cet esprit des lois parce qu'on est un peuple, alors je ne vais pas faire mon pédant ou mon arrogant, mais on le sait, on est un peuple qui aime beaucoup les idées, on est un peuple qui aime beaucoup les livres, on est un peuple qui aime beaucoup la rationalité, même si ces dernières années, ça se voit malheureusement plus trop et de moins en moins. Mais on avait, comment dire, on avait des concepts et on avait un esprit derrière nos lois. Et on n'a pas réussi à le transmettre à nos enfants, on n'a pas réussi à le transmettre aux élèves et on n'a pas réussi non plus à le transmettre aux nouveaux arrivants. Puisque aujourd'hui, il faut les laisser comme ils sont. Les pauvres, ils viennent d'une culture. Non, quand on choisit la France, il faut aussi arrêter avec ça. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent et on se dit « Oh, les pauvres, ils viennent en France ». Non, tu as choisi la France. Alors, si tu es venu par hasard, tu as fait plouf plouf et tu es venu en France, alors tu peux faire demi-tour, clairement. Mais si tu as choisi la France, tu as choisi ce pays, tu n'as pas choisi pour rien. Tu es venu dans ce pays, tu as pesé le pour et le contre, c'est la France que tu as choisi. Si tu l'as choisi, alors tu vas devoir devenir français. Et ça, on a oublié de le faire, on a oublié de le dire. Et c'est ce qui fait qu'on a aujourd'hui, pour revenir à Spinoza, ce que Spinoza appelait des empires dans un empire. C'est-à-dire qu'on a des micro-sociétés qui vivent au sein de notre société. Alors, il y a des sociétés multiculturelles et différentialistes comme les États-Unis ou l'Angleterre qui s'en accommodent très bien, mais la France a toujours eu une vocation universaliste sur une base rationaliste, et c'est pour ça qu'en France, ça cause beaucoup de problèmes. Oui, merci Cyril pour cette franchise. Mais c'est vrai que tu parlais des primo-arrivants, et puis évidemment tous ceux qui sont arrivés après, qui quelque part se sont ou auraient dû quelque part s'enraciner bon, en France, mais en Europe au sens large, mais qui de facto ne le souhaitent pas. Donc en fait, il y a tous ces droits qui sont acquis, il y a toutes ces choses quelque part dont chacun peut profiter, notamment sur le plan précisément de la réalisation de ses propres désirs, le fait de pouvoir être extrêmement libre dans sa façon de penser, d'agir, de converser, et en même temps justement cet esprit communautariste qui est extrêmement prégnant et qui se voit de plus en plus, parce qu'on voit évidemment aussi beaucoup de jeunes filles finalement qui revendiquent le port du voile en disant finalement non mais ça c'est mon chemin spirituel. Et là, évidemment, moi, évidemment, quelque part, ça me choque. Je me dis, mais enfin, justement, nous, en Occident, le chemin spirituel est complètement dégagé de la religion qui voulait justement soumettre la femme à l'homme, au religieux. Donc, c'est ce qu'on appelle en gros le patriarcat. Et là, vous nous parlez d'un chemin spirituel au nom de votre religion qui est en complète déphasage avec notre propre histoire à nous. Nous, évidemment, on a au centre de notre propos, si j'ai envie de dire, de notre vie, on a évidemment le concept d'égalité homme-femme, le concept d'émancipation. Et ça, apparemment, malgré justement les générations qui passent, on a l'impression que ce concept-là, il est absolument inaudible pour certaines musulmanes qui veulent absolument porter le voile envers et contre tout, je dirais, et surtout le plus possible et partout. Comment tu expliques ce concept de chemin spirituel qui semble tellement loin pour le coup de nos conceptions à nous? Alors, pour avoir fait quelques débats avec des femmes musulmanes qui ont choisi de porter le voile, puisque certaines le choisissent, on ne va pas le nier, même si il ne faut pas oublier que certaines se le font imposer. Malgré tout, on ne se lève pas un matin comme ça en se disant, quand on est une femme, on ne se dit pas « Ah, tiens, je vais me voiler ». Vous voyez, quand vous êtes enfant, vos dents poussent, vous avez des réflexes, vous croquez, vous avez des réflexes, vous mangez ou vous tétez le biberon. Voilà, on a des réflexes. Il n'y a aucun réflexe qui nous fait « Ah, tiens, je me voile ». Non, ça n'existe pas. Donc, c'est forcément exogène, c'est forcément extérieur à l'être. Et cet extérieur, il vient d'où ? Ben, il vient de la culture, il vient des livres, il vient des exégèses de ce qu'ils appellent les savants musulmans, hein, qui ne sont pas savants du tout, puisqu'il n'y a pas de savants en théologie pour moi, hein, y a des conteurs de fables, voire des historiens qui s'intéressent à l'historicité des fables, mais il n'y a pas de savants. Et donc, du coup,
Cette fameuse spiritualité, moi je l'ai interrogée, et à chaque fois que on interroge cette spiritualité, vous allez voir que les femmes qui se réclament de cette spiritualité vont devenir tout de suite très évasives, voire agressives, parce qu'en vérité, elles savent pas l'expliquer. Et quand on pousse un petit peu, eh bien on se rend compte que ah mais c'est mon père à 14 ans, ah mais c'est donc on l'a en fait on l'a comment dire on l'a suggestionné, c'est-à-dire qu'elle est née dans un milieu où la pudeur est très importante, où l'honneur des hommes, la fierté des hommes est entre les cuisses de sa femme, et on va la suggestionner pour le voile et pour vivre en accord avec ça. C'est un petit peu ce que j'expliquais pour l'universalisme français tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là, qui est dans l'air, mais qu'on ne sait pas expliquer. On ne sait pas véritablement l'expliquer, mais c'est là. C'est autour de nous, ça fait partie de notre société, mais on ne sait pas l'expliquer. Et c'est ce qui se passe pour elle. Après, il suffit d'une suggestion, un imam, un frère, un père. Il dit, tiens, ce serait bien que tu te voiles. Ce n'est pas forcément imposé de manière violente, hein, mais c'est simplement, voilà, tu es une bonne musulmane, tu sais que si tu rajoutais le voile, tu irais directement au paradis. À partir du moment, de toute façon, où on instaure, parce qu'on nous dit, oui, mais les femmes voilées, elles respectent les femmes qui ne sont pas voilées. Ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Tout ça est de l'hypocrisie, ou alors il y a une véritable dissonance cognitive. À partir du moment où tu te voiles, par spiritualité ou par pudeur, quelle que soit l'excuse, parce que pour moi ce sont des excuses, forcément tu penses que celle qui n'est pas voilée est ou moins religieuse que toi, ou moins spirituelle que toi, ou alors dans l'autre cas c'est une pute, ou elle est moins pudique que toi. Voilà. Donc on peut essayer de tourner le problème dans tous les sens. Le voile est sexiste, misogyne. Si les mollahs iraniens ont imposé le voile et non les talons, à mon avis c'est pas le hasard. J'ose émettre cela. Et vraiment, le voile a aussi une historicité, hein. Il faut pas oublier quelle est l'historicité du voile. Je vais pas la refaire ici parce que ce serait trop long. J'invite chacun à aller voir quelle est l'histoire du voile, son historicité dans les différents pays où il est la règle, et surtout à voir l'état des droits des femmes partout où il est la règle, que ce soit dans des théocraties ou dans des quartiers où il est la règle. Partout, sans aucun contre-exemple, les droits des femmes sont significativement dévalués. C'est ça. On a l'impression, évidemment, Cyril, aussi, quand je t'entends, que de nos sociétés, évidemment, qui sont parfois un petit peu molles, parce qu'il y a la peur d'être taxé d'islamophobe, de raciste, et quelque part, nos lois sont un petit peu, je veux dire, malmenées pour essayer justement de mettre de la discrimination là où il n'y en a pas, au nom d'une liberté religieuse un petit peu à tout craint. Mais on a l'impression aussi, évidemment, qu'il y a une revendication de plus en plus poussée de la part de certains. Qui sont évidemment soutenus par des associations aussi. Vous avez eu le CCIF en France qui a été dissous, mais qui est venu chez nous en Belgique aux côtés du CCIB. Donc, on a l'impression que l'histoire effectivement se reproduit et qu'il y a une cécité absolument incroyable de la France d'un côté, et puis maintenant effectivement ici en Belgique. Mais donc, ces droits de plus en plus évidemment se manifestent aussi au travers des accommodements raisonnables. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était de savoir, parce qu'on dit souvent, vous êtes finalement islamophobe, raciste, etc. à notre égard, mais ces musulmanes, finalement, et qui sont portées aussi par des musulmans, leur père, etc., leurs sœurs, leurs frères, avec la pression qu'il y a derrière, finalement, eux-mêmes, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'ils conçoivent les non-musulmans? Quel est leur rapport aux non-musulmans? Parce que tu dis, finalement, la musulmane qui ne porte pas le voile, elle est considérée comme une pute. Mais finalement, en Occident, ils nous demandent beaucoup de droits, mais eux-mêmes, comment nous perçoivent-ils? Alors, je serais bien incapable de parler pour tous les musulmans. Je vais quand même parler de ce que moi je vois actuellement et de ce que j'ai pu voir dans mon enfance quand j'ai été au plus près des musulmans. J'ai encore beaucoup d'amis musulmans d'origine arabo-musulmane. Alors, ceux qui ne sont pas versés dans la religion nous voient comme des citoyens avec le même respect qu'on peut avoir toi et moi, mais très vite en islam, quand on rentre dans cette religion, comme dans beaucoup de religions, mais je crois que c'est particulier à celle-ci, en tout cas à l'instant T en France et dans l'Europe, c'est qu'il y a un eux et un nous. Et à partir du moment où il y a un eux et où il y a un nous, alors, tu sais, moi, j'ai cette mentalité, mais toi, tu sais, t'es français, tu peux pas comprendre. C'est des petits trucs anodins comme ça, c'est, ah ouais, mais toi, tu peux pas comprendre. Et ça, comment dire, ça met en fait un espèce de mur invisible. Eux, nous. Et il y a vraiment quelque chose qui est problématique là parce que, eh bien, du coup, le fameux eux et nous, c'est ce qu'utilisent les sectes pour garder les gens sous cloche dans une communauté. Et c'est exactement ça qui est fait avec ces gens, c'est qu'eux-mêmes ne se rendent même pas compte qu'ils sont emprisonnés dans une communauté qui cherche à les manipuler en fin de compte.
Et alors, on a des gens qui se disent, bon, bah, c'est des mécréants, ils sont pas méchants, mon voisin est gentil, etc. Vous allez avoir ce genre de musulmans, puis vous allez avoir celui qui va dire, sale mécréant, sale apostat, vous allez tous brûler en enfer. Et puis, il y a un ami également qui m'avait fait réfléchir sur quelque chose d'intéressant, c'est comment peut-on considérer bien un citoyen, son concitoyen en l'occurrence, à partir du moment où dans son fort intérieur, on pense que lui va finir en enfer et nous au paradis. Quelle considération on peut avoir pour son concitoyen en ayant cette arrière-pensée-là? Ça me paraît compliqué. Certains diront que si, que là, que ouais, tout ça c'est du maquillage pour cacher la saleté. Mais en vérité, si je pense que mon voisin va finir en enfer et moi au paradis, quelle bienveillance je peux avoir envers lui? Si ce n'est une bienveillance intéressée pour qu'elle rejaillisse sur moi, mais il n'y a pas de véritable bienveillance là-dedans. C'est ça. Un peu, bon, on a l'impression que du coup, la Ouma sépare un peu le monde en deux, quoi. Les musulmans et Ah les oui. mécréants, les purs et les impurs, et donc avec une difficulté de voir l'autre sur un plan d'égalité. Mais ça, c'est un petit peu évidemment propre à toutes les religions, lorsque la loi divine est censée être supérieure aux lois de la République ou aux lois simplement civiles. Ouais, et puis il y a aussi un aspect qui n'est pas forcément en rapport avec ce que je viens de dire, mais dont je voulais parler avant d'oublier. C'est tout simplement qu'on voit que les gauches européennes sont très faibles, voire même sont parfois du côté de ces islamistes. Ça a été beaucoup le cas en France. Je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais je crois que c'est à peu près la même chose chez vous. Et en fait, il y a parfois comment dire, de la bonne volonté chez ces gens de gauche. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en fait, eux sont des libéraux. C'est-à-dire pour eux, le droit individuel avant tout. Et ils réduisent la liberté à un sac de droits. C'est-à-dire qu'ils confondent le droit et la liberté. Je te donne un exemple. Si par exemple, demain, je conquiert un nouveau droit, ou quelqu'un dans la société française conquiert, ou dans la société belge conquiert un nouveau droit, qui serait le droit de travailler le dimanche. Si je suis contraint par mon crédit voiture ou mon crédit maison, ou par la nécessité de me nourrir, de travailler le dimanche, parce que je n'ai pas assez d'argent, ce droit se transforme en aliénation. Et le problème des libéraux, la gauche est très libérale, libérale au niveau sociétal, hein, on le voit, la GPA, la PMA, le mariage pour tous, etc. Toutes ces lois ne sont pas forcément critiquables, mais elles sont sur un logiciel ultra-libéral, c'est-à-dire que le but est de conquérir toujours de nouveaux droits. Et dans ces nouveaux droits qu'ils cherchent à conquérir, eh bien, les musulmans arrivent et disent, bah, et nous aussi, on veut notre sac de droits. Et de quel droit vous nous le refuseriez alors que vous l'acceptez à d'autres? Eh bien, c'est tout simplement parce que, en fait, en Occident, on a abandonné la morale. C'est un grand mot, hein. On a abandonné la morale et l'éthique. C'est-à-dire que aujourd'hui, on réduit la liberté non plus à une émancipation qui nous emmène vers un chemin éthique ou vers un chemin moral, une morale qu'on aurait choisie ensemble, mais aujourd'hui, on réduit la liberté. Les libéraux réduisent la liberté à un sac de droits, sans se soucier, comme je l'ai dit dans mon exemple, de savoir au niveau contextuel si ce droit est une aliénation, comme c'est mon cas, si je suis obligé de travailler le dimanche, j'ai bien un droit supplémentaire, mais ce droit m'aliène. On pourrait prendre le cas de la GPA. La GPA, se présente comme un droit supplémentaire, et quand on y réfléchit de manière assez rapide, on se dit, bah ouais, de quel droit on refuserait un droit supplémentaire? Après tout, si on ne veut pas y avoir recours, on n'y a pas recours. C'est un droit supplémentaire pour ceux qui veulent y avoir recours. Super. Sauf que la femme pauvre qui va habiter dans un quartier de merde, c'est elle qui va louer son ventre. C'est pas celle qui va habiter dans le 16e à Paris ou dans les beaux quartiers de Bruxelles. Elle va jamais louer son ventre. Donc on est là dans un droit qui est donné, mais si on ne prend pas en compte le contexte, ce droit devient une aliénation. Eh bien, dans le cas du voile, selon moi, on est exactement dans la même configuration. C'est-à-dire qu'on a des gens qui réclament des droits et on n'est pas capable de leur répondre que ce droit ne leur sera pas donné parce que ce droit est une aliénation. Et pourquoi on n'arrive pas à le dire? Pourquoi la gauche n'arrive pas à le dire? Eh bien, parce qu'elle fait exactement pareil sur les transgenres, elle fait exactement pareil sur la GPA, la PMA, etc. Et donc, du coup, si jamais elle refusait à l'un et pas à l'autre, il y aurait distorsion cognitive. Elle ne comprendrait pas. Dans son logiciel libéral, en fait, elle est logique avec elle-même. Voilà, c'est malheureux. Moi, je pose l'état de fait. Après, à chacun de nous de choisir ce qu'il veut comme société, mais c'est en tout cas logique que les plus libéraux, la gauche est historiquement plus libérale, et c'est normal que les plus libéraux défendent en fait un droit supplémentaire, quand bien même ce droit serait une aliénation supplémentaire. Mais je comprends bien évidemment ce que tu dis, Cyril, mais c'est vrai qu'en même temps,
La montée de l'islamisme est une réalité que l'on peut difficilement nier. On peut difficilement nier que c'est un réel danger. Bon, tu sais comment, il y a eu notamment Kamel Daoud qui en a beaucoup parlé, qui en parle encore. Il y a Boualem Sansel, il y a évidemment Zineb qui s'en prend plein la figure dès qu'elle effectivement ose parler de laïcité et de laïcité au-dessus, pardon, des lois religieuses pour le coup. Et par ailleurs, on a justement cette gauche qui a ses accointances avec un certain islam qui ne semble pas avoir le problème, qui non seulement ne le voit pas, mais semble justement soutenir aussi d'une façon ou d'une autre les islamistes, en tout cas leur laisser un boulevard. Donc on a l'impression là qu'il y a un jeu qu'on comprend mal, dans la mesure où si l'idée quand même c'est de vivre ensemble, il faut quand même oser le débat, oser pointer effectivement les problèmes et du coup les résoudre. Or ça visiblement c'est compliqué, même si en France par rapport à la Belgique on en parle beaucoup plus facilement, il y a des débats chez vous qui peuvent être extrêmement houleux, mais au moins les débats ont lieu. Chez nous en fait c'est beaucoup plus timoré, c'est laissé sous le tapis. Et dès qu'une personne en réalité, pour peu qu'elle soit invitée dans les médias à s'exprimer, dès qu'une personne ose s'en exprimer, le lendemain, en fait, elle est complètement déchiquetée en pièces par la bien-pensance, que ce soit les écolos, le PS ou d'autres. On a vraiment l'impression qu'il y a une cécité absolument incroyable et donc un débat qui reste enfermé sous une chape de plomb. Mais en France, comment expliquer finalement ce qu'on appelle les idiots utiles de l'islamisme, ces gens effectivement ont toute l'attitude pour laisser faire. Alors, je pense qu'ils ont des intérêts communs. Et puis, les islamistes, je pense, ont bien compris ce que je t'expliquais juste avant sur les libéraux. Tu remarqueras que les islamistes parlent beaucoup des lois. Ils aiment bien nous dire, ah, mais faut s'en tenir à la législation, faut s'en tenir au texte légal. Parce que on a oublié, nous aussi, en Occident, qu'un texte, que ce soit un texte saint ou un texte juridique, et là, je parle en présence d'un avocat de métier, ça s'interprète. Et eux, ils tiennent à ce que les textes restent le plus flou possible, de manière à les interpréter à leur sauce. Et c'est exactement là-dedans qu'ils rentrent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un pays, et notamment une gauche, qui ne sait plus défendre ses valeurs, qui ne connaît plus l'essence de la laïcité, j'ose le mot, et qui ne connaît plus l'essence de l'universalisme, ou même de la, comment dire, de la culture européenne. Il y a une vraie culture européenne. On le voit bien quand il y a une émigration, ça pose aucun problème. Moi, quand je vais en Belgique, j'ai pas l'impression d'être dépaysé plus que ça. Si ce n'est que je suis obligé de manger des frites tout le temps, mais Elles sont mais sinon, meilleures. mais sinon, j'ai pas l'impression d'être plus dépaysé que ça. Par contre, si je vais en Algérie, je vais le sentir, mais d'une manière très nette. Et c'est pas être, comment dire. Ce n'est pas être désobligeant que de reconnaître qu'il y a une différence qui est plus importante et qu'il y a des anthropologies différentes. Maintenant que tous ces gens sont sur notre territoire, maintenant, pour moi, on n'a plus que deux. Et effectivement, les islamistes appuient là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une deuxième, troisième et quatrième génération de ces immigrés qui sont sur notre territoire. On a deux. On va vers de grandes frictions. Et on les réassimile ou on les réintègre selon le vocabulaire de chacun. Certains vont trouver l'assimilation trop agressive, oppressive, bien que l'assimilation, ce ne soit pas gommer toute altérité, je le rappelle, c'est tout simplement adopter l'histoire, les us et coutumes de la société dans laquelle on a choisi de vivre. J'aime bien Lydia Girouz qui, par exemple, dans son livre Assimilation, justement, nous dit que c'en est assez d'être c'en est assez d'être français de papier, ça marche pour la Belgique. Il faudrait un petit peu être français de cœur. Et on a un petit peu oublié, aimer une nation, c'est aussi ça. C'est être, y être avec le cœur. Et si on ne l'aime pas, je crois que le Coran nous parle de voyage quand il y a des problèmes. Et voilà, donc c'est une espèce de dialectique entre une gauche qui ne sait plus où elle habite au niveau des valeurs, on le voit bien, hein, qui ne défend plus les valeurs d'émancipation comme c'était le cas dans toute l'Europe, même s'il y a une particularité universaliste en France, toute l'Europe globalement à gauche est dans un logiciel d'émancipation. Eh bien, elle a abandonné ce logiciel, elle a abandonné la laïcité. Du coup, il nous reste deux choix. Comme je le disais, ils sont là aujourd'hui
Donc, ou on va vers de grandes frictions et on les remet à leur place, ou bien on va devoir vivre dans le multiculturalisme, chacun dans des sociétés étanches, et l'influence des États-Unis aidant, eh bien, tu sais vers quelle direction on va, quoi. Vers ce multiculturalisme bien pratique qui nous mène en ce moment à gauche, je ne sais pas vous en Belgique, mais chez nous en France, qui mène nos intellectuels vers un racialisme où on voit tout à l'aune de la race alors qu'on sait qu'elle n'existe pas. Ce qui est très étrange que l'identitarisme racialiste revienne par la gauche, c'est vraiment quelque chose que je n'aurais pas cru. Oui, je pense qu'on vit un peu la même chose, mais peut-être de manière plus accélérée, parce que je le disais, le débat chez nous ne peut pas avoir lieu sans d'énormes frictions. Mais c'est vrai qu'on voit clairement, évidemment, un délitement arriver de plus en plus à vitesse grand V. Et on a l'impression, évidemment, que mettre des garde-fous, ça ne fait que jeter de l'huile sur le feu. C'est-à-dire que c'est très compliqué, finalement, de mettre évidemment des limites là où précisément on ne les a pas mises au fur et à mesure. On a l'impression de Ouais, mais nouveau c'est qu'on... possible. C'est possible. Je me permets justement, avec ta Oui. permission, de t'interrompre, mais on l'a fait en France pour Oui. le voile à l'école. On nous promettait la guerre civile, on nous promettait. Il s'est rien passé. La loi est passée, tout le monde la respecte. S'il y en a qui arrivent à ne pas la respecter, la police vient. Point. En fait, on fait tout un. On se bat parce qu'il y a des gens qui font beaucoup de bruit. Il y a une base militante très active qui fait beaucoup de bruit et qui joue en fait sur les motifs, sur la victimisation, sur la culpabilisation. Vous, grand homme blanc qui nous avez colonisés, vous vous rendez compte, vous êtes encore là à nous imposer. Oui, mais là, c'est différent. Il ne faut pas confondre. On nous parle même de colonisation culturelle sur notre propre territoire. Les gens, en fait, espèrent comprendre qu'il pourrait y avoir sur notre territoire une colonisation. Alors, si effectivement la période coloniale est révolue, et je trouve que c'est une bonne chose, je refuse de la condamner, puisqu'à l'époque, c'était, voilà, ça se passait comme ça. Et seules les nations fortes colonisaient, les nations faibles étaient colonisées, mais pas parce qu'elles étaient plus éthiques, juste parce qu'elles étaient plus faibles. Donc, je me refuse à condamner cette époque. Malgré tout, je suis content que cette époque soit révolue, puisque la colonisation n'est pas aujourd'hui, à l'aune des mœurs qui sont les nôtres en 2021, me paraissent pas une bonne chose, effectivement. Et si le, comment dire, si le colonialisme existait encore, je serais le premier à me battre contre. Ceci dit, il ne parle de colonialisme sur un État souverain. C'est-à-dire que quand on est dans les limites de notre espace géographique et politique, il ne peut pas y avoir colonisation. Donc, si tu te sens colonisé, c'est que tu n'es pas chez toi ici. Pour une fois, il faut déménager. Mais si tu es un peuple souverain duquel tu te réclames pour tes droits, eh bien, tu vas devoir aussi en accepter les devoirs. Et il faut aussi accepter les règles du jeu démocratique. C'est-à-dire que quand un peuple souverain dit à la majorité, je refuse le voile, je refuse le voile. Tu caprices avec ton pipi par terre et tu te roules dedans en disant, le méchant blanc, le méchant blanc. Non, tu avances des arguments. Tu en as, c'est bien, tu n'en as pas. Eh bien, tu acceptes ce qu'est la démocratie, c'est-à-dire la tyrannie de la majorité. Mais tu ne peux pas arriver avec des arguments. C'est-à-dire que, en fait, où j'essaye d'en venir, c'est là où tu nous disais, Pascal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Belgique, et Mathieu Bock-Côté nous disait pareil pour le Canada, qui est pareil et très avancé au niveau du multiculturalisme, hein, la proximité avec les États-Unis aidant. Et donc, du coup, eh bien, dès qu'on va émettre la moindre critique, on est tout de suite balancé en place publique, mais il n'y a pas d'argument. Regardez le raciste, regardez, ça marche tout sur des prérequis et il faut interroger ces prérequis et rester toujours dans la rationalité. Encore une fois, on revient à Spinoza, rester dans la rationalité la plus pure. Quand bien même on se fait lyncher en place publique, rester fidèle sur la réalité, les valeurs. Moi, par exemple, il y a des choses que je vais dire ici dans cette vidéo que j'ai déjà dites ou que je dis dans d'autres vidéos qui paraissent critiquables, mais je suis assis sur des valeurs. Moi, je sais très bien que n'importe quelle personne qui se réclame de la République et de l'histoire de notre pays est mon concitoyen, c'est mon frère en République, comme on dit. Et je ne regarde pas sa couleur de peau, sa couleur. Seule la couleur des idées m'intéresse. La couleur de peau, la taille, le machin, le nombre de bras, de trucs. Je m'en fous. Je ne veux pas savoir. Ce qui m'intéresse, c'est la couleur des idées. Et si tes idées, elles sont pas de la même couleur que moi, eh bien, c'est pas grave. À partir du moment où tu te réclames du bien commun, où tu te réclames d'une France ou d'une Belgique ou de peu importe le pays d'Europe, tu te réclames de la terre sur laquelle tu es et tu respectes ses racines. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas changer le pays, mais ça veut dire que tu respectes ce qu'il y a. C'est-à-dire que le pays n'est pas un livre totalement écrit. Donc, tu vas pouvoir écrire quelques pages, mais le pays n'est pas non plus une page blanche quand tu arrives. Donc, tu vas devoir respecter ce qui a été écrit avant que tu arrives. Voilà. Donc, avant de demander des droits, du respect, etc., commence déjà par donner du respect, par donner de l'amour, donner de la considération,
Et la reconnaissance, bon Dieu, même les Français ne sont même plus reconnaissants de leur propre pays. Je rappelle que ce pays est une richesse. Tous les pays d'Occident sont des exceptions. Comme on vit en Occident, on a l'impression que c'est normal, mais sur 170 nations, il y en a peut-être une trentaine qui sont aussi riches que les nôtres. Mais ce n'est pas le hasard. C'est parce que nos ancêtres ont sué sang et larmes pour nous donner les droits qu'on a, pour nous donner le savoir, toutes les qui ont été développées, qui ont donné la richesse qu'on a. Je suis désolé, en France, je ne sais pas comment ça marche pour vous en Belgique, ça doit être à peu près la même chose, j'imagine, mais en France, on n'a pas de pétrole sous les fesses, on n'est pas devenu riche en creusant juste un trou, comme l'Arabie Saoudite ou comme le Qatar. Donc, on a un héritage, il faut le respecter. Et je dis ça pour vraiment tout le monde, parce qu'on a même des Français qui aujourd'hui disent « Ouais, on vit en dictature ici », mais je les enverrai bien en Corée du Nord 15 jours pour leur faire comprendre c'est quoi une dictature. Il faut être reconnaissant de ce pays, et être reconnaissant, c'est respecter les valeurs, c'est les faire vivre en soi, et c'est les comprendre, parce que quand on les comprend, quand on comprend en fait ce qu'ont voulu faire les Lumières et même les penseurs d'avant, obligés d'aller dans leur sens. Ce qu'ils voulaient, c'était l'émancipation de l'individu, l'émancipation de sa condition, l'émancipation des religions qui dirigeaient tout avant. Et voilà, et je pense qu'il y a beaucoup d'ingrats qui refusent de se réclamer de ses racines, ou parce que à gauche, on leur a appris depuis leur tendre enfance que se réclamer de ses racines, c'est être raciste, alors que moi, je suis de gauche et je me réclame de ses racines. Et puis, les immigrés, on a des associatifs, souvent de gauche, qui leur ont dit, tu sais, mon petit, si on te demande de changer un tout petit peu, bah, c'est parce qu'il est raciste, parce qu'en vérité, tu es né comme un ange, tu n'as pas à changer. Parce que, je ne sais pas, peut-être que ça leur fait voir un petit peu quand ils vont en quartier, ça leur fait voir un petit peu de pays sans payer le billet d'avion, je ne sais pas, mais voilà. Enfin, voilà ce que je pouvais dire de tout ça. Mais au fond, c'est vrai que quand je t'entends, évidemment, j'ai l'impression qu'on est très fort finalement dans l'émotivité, dans la susceptibilité, tu touches à mes convictions et donc on revient effectivement avec le côté raciste, islamophobe, blasphématoire, etc. Mais bon, ce qui est évidemment, c'est que ça, c'est aussi une particularité quand même française, c'est que chez vous, la laïcité est inscrite dans la Constitution. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Chez nous, les choses sont beaucoup plus ambiguës puisque nous, en fait, on a le concept de neutralité, qui est un principe de droit constitutionnel, mais qui peut en fait s'interpréter, en tout cas, dans l'enseignement supérieur en particulier, ça peut s'interpréter selon deux versions, selon quelque part ce que l'établissement scolaire souhaite mettre en place, donc la neutralité dite inclusive, où effectivement il est possible de venir avec ses signes convictionnels, et la neutralité exclusive qui, pour justement permettre un environnement pédagogique neutre, exclut tout signe convictionnel. Donc tu vois que là, du coup, il y a une marge de manœuvre qui fait que chaque chef d'établissement est un petit peu libre, en fonction de sa propre conception de la neutralité, d'admettre ou non les signes convictionnels. Ce qui, justement, pose pas mal de difficultés chez nous. Et donc, tu as entendu parler, je pense, et c'est vrai que j'ai eu le plaisir d'être un des co-auteurs de ce livre, donc, qui est intitulé ici Cacher cet islamisme. Voile et laïcité à l'épreuve de la cancel culture. Hein, la cancel culture, on en parle énormément, c'est évidemment la façon d'anéantir, je dirais, la parole de toute personne qui souhaiterait justement dans un débat public libre d'expression, libre de conscience, d'exprimer un autre point de vue que la majorité ambiante, j'ai envie de dire que la pensée gauchiste du moment. Mais on voit bien effectivement que c'est un énorme problème de visibilité que l'on peut avoir quand on essaie de soutenir finalement ce que tu soutiens aussi. Et pour en revenir effectivement quand même à Spinoza, pour faire la boucle avec Spinoza, c'est vrai que pour reprendre ton propos, ce que je trouvais absolument extraordinaire, c'est que finalement, et c'est peut-être ça le côté durable et toujours quelque part d'actualité de Spinoza, c'est qu'après sa mort, ben, le spinozisme connut une influence durable et largement mis en débat. L'œuvre de Spinoza entretient en effet une relation critique avec les positions traditionnelles des religions monothéistes, et c'est toutes les religions, il n'y a pas évidemment j'ai envie de dire, de privilèges que constituent le judaïsme, le christianisme et l'islam. Par contre, ce qui m'a quand même étonné, et ça peut-être tu pourrais en toucher également un mot, Cyril, c'est que Spinoza, comme j'ai envie de dire, comme tout homme, comme toute femme, a également sa part de faiblesse, et je ne sais pas si tu sais, mais il avait en tout cas pour nous,
occidentale avec l'évolution de nos mentalités. Il y avait quand même deux points que l'on peut considérer comme faibles avec le recul. Je sais pas si tu vois un petit peu de quoi je veux parler. Non. Non? Eh ben écoute, figure-toi que c'est Frédéric Lenoir qui a attiré mon attention là-dessus. Il parle notamment de deux points faibles en disant que Spinoza n'a pas su dépasser les préjugés de son temps. Un, sur les animaux, et deux, sur les femmes. Parce que sur les animaux, il dit ceci. La loi qui défend de tuer les animaux est fondée bien plus sur une vaine superstition et une pitié de femme que sur la saine raison. Alors là, pour le coup, évidemment, quand on sait que Spinoza, la raison, c'est vraiment le socle sur lequel il se fonde pour bâtir toute sa philosophie, on peut évidemment trouver regrettable que par rapport aux animaux, au nom de la raison, justement, il les relaye un petit peu, j'ai envie de dire, à la trappe. En parlant justement de manière négative, pour le coup aussi de la femme, en disant finalement que c'est une pitié de femme plus qu'une saine raison. Et alors sur les femmes, il estime par exemple que la femme est trop soumise à ses affects que pour être capable de voter. Effectivement, Spinoza était aussi un homme de son temps, malheureusement, et c'était un homme surtout. Et effectivement, il était encore dans ces préjugés-là. Ouais, effectivement, je suis au courant de ça. Je suis pas d'accord avec lui, évidemment, là-dessus. Mais je pense que s'il vivait aujourd'hui, il aurait justement pris en compte toutes les avancées scientifiques et toutes les avancées dans les sciences cognitives qui nous démontrent bien que non pas la femme est un homme comme les autres, mais la femme est un être aussi intelligent, voire plus dans certains cas, que les hommes, sans aucun problème. D'accord. Je voulais juste revenir sur un point, Pascal. Oui. C'est tout à l'heure quand tu parlais de neutralité de la religion, si je peux me permettre de donner un angle de réflexion. En France, on nous parle souvent aussi, encore une fois, la société comprise, on nous parle de neutralité de l'État en France. Alors Oui. la France ne se réclame pas de neutralité. La France neutralise les religions. Et ce n'est pas pareil. Non, non. On parle effectivement de neutralisation. On parle de neutralité, mais dans la conception d'une neutralisation de tout débordement ou de toute, comment dire, de toute tentation religieuse excessive. Ouais. La France est censée neutraliser les religions. Elle n'est pas censée être neutre face aux religions. C'est-à-dire que souvent, on a des gens qui nous disent: Ah, mais regardez, tel homme politique, il s'exprime sur l'islam. C'est son boulot. On lui demande de le faire. On lui demande de neutraliser l'islam. En l'occurrence, plus particulièrement l'islamisme, mais parfois l'islam aussi. C'est son boulot. Donc en France, il n'y a rien de choquant. Et pour les sociétés où c'est choquant, eh ben, je leur propose justement de réfléchir à ça, de réfléchir non pas à une neutralité, parce que la neutralité, c'est comme aux États-Unis, c'est-à-dire que l'État s'efface et on reste sur tout ce qui est sur tout ce qui est réglé et on s'occupe de rien d'autre et on laisse toutes les religions libres se débrouiller entre elles. Or, la France propose un autre système que n'aiment pas les États-Unis, hein, on l'écoute régulièrement via le Times, qui critique le système universaliste français qui serait par définition raciste. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'en France, on neutralise les religions. Donc, voilà, ça ne veut pas dire qu'on va enlever la liberté de conscience et qu'on va empêcher les gens d'aller dans leur lieu de culte, puisque la France a quand même ce génie de reconnaître aux croyants le fait de pouvoir avoir leur religion et de pouvoir avoir leur lieu de culte s'ils le financent eux-mêmes. Bien que le système soit imparfait, on voit à Strasbourg ce qui s'est passé à cause du Concordat, mais bon, c'est un cas particulier. Toujours est-il, France, eh bien, on peut faire ça, mais on est d'abord citoyen en France. Il y a une vraie religion, il faut le comprendre, il ne faut pas en avoir honte. Les francs-maçons en France, quand ils ont théorisé tout ça, il y avait beaucoup de francs-maçons, notamment sous la Troisième République, ils savaient que l'homme avait besoin de rites et de rituels, ils savaient que les hommes ont besoin de croire en quelque chose de supérieur. Seulement, ils nous avaient donné comme transcendance l'État et ils nous avaient donné comme rite et rituel la République. Voilà, et il faut bien comprendre ça. Et qui va un petit peu dans les racines de la société française comprend assez rapidement ça. Alors, on peut trouver ça aimable ou détestable, mais la France, c'est ça. Et on ne peut pas en vouloir aux Français de vouloir conserver, en tout cas, pas forcément la société d'une manière figée comme elle était, mais de vouloir conserver ces racines-là parce qu'elles les trouvent encore pertinentes aujourd'hui. Et pour mon cas, je les trouve encore plus pertinentes aujourd'hui.
Mais oui, enfin, on l'a bien vu évidemment aussi que par nature, la religion catholique par le passé était extrêmement conquérante et qui ne se met pas effectivement des limites. Finalement, c'est le vivre ensemble qui va en prendre un coup parce que la religion évidemment va prendre le dessus sur l'ensemble des droits et donc soumettre finalement l'ensemble de la population et on va se retrouver in fine dans une situation qu'on a voulu éviter en démocratie, c'est-à-dire vivre en démocratie, non pas en théocratie. Donc quelque part évidemment on en vient petit à petit et presque à l'insu de notre plein gré, on en vient évidemment à laisser s'installer une situation que l'on voit comme étant absolument exécrable si effectivement on la voit se développer dans des pays théocratiques où là de fait pour le Même coup pas que, même pas que, parce même qu'il y a, pas que, sinon, non, même pas que. ouais, si on veut en Occident voir des choses qui peuvent nous montrer un horizon moins sympathique que ce que les diversitaires essayent de nous vendre, je vais reprendre les mots de Mathieu Bock-Côté parce que je trouve qu'il a raison. La religion diversitaire, si on la contredit et qu'on essaye de regarder un petit peu ce qui se passe, eh bien, on regarde l'Angleterre et qu'est-ce qu'on voit? On voit des sociétés complètement communautarisées avec des tribunaux islamiques, avec des citoyens anglais qui dépendent d'abord de tribunaux islamiques avant de dépendre de tribunaux anglais. Alors, le tribunal anglais est au-dessus de tout, seulement quelle personne faisant partie d'une communauté va vouloir se soustraire au tribunal de sa communauté? Tu vas être rejeté de ta communauté et dans un pays communautariste, tu n'as pas intérêt. Oui. Donc, voilà, on a des gens qui sont soumis à l'islamique. Si c'est ça qu'on veut en France et si c'est ça qu'on appelle l'égalité, entre les citoyens et l'égalité des chances, eh bien, je suis fermement contre. Oui, et là on retombe justement sur Spinoza et le courage qu'il a eu justement de faire front à sa communauté et du coup d'en être excommunié. Ça rejoint ce que Exactement. Et tu d'ailleurs, je suis en train de viens de lire un dire. livre sur cette histoire-là où il a été violemment excommunié à 23 ans par un RM. Alors, des RM dans les communautés juives, c'est assez commun. Seulement, ce sont des RM de 3, 4, 5 jours. Spinoza a été rejeté de sa communauté par un RM. Il a été rejeté à vie. Les autorités religieuses de sa ville ont même fait pression sur le politique pour qu'il soit expulsé d'Amsterdam. C'est pour ça qu'après, il s'est rapproché d'autres villes, notamment de La Haye où il est mort. Et donc voilà, et Spinoza a été rejeté d'une manière extrêmement violente avec un texte qui… voilà. Et à l'époque, être rejeté de sa communauté, c'est-à-dire que ceux de sa communauté n'avaient pas le droit de l'approcher, de lui parler, de commercer avec lui, etc. etc. Donc c'était vraiment un courage vraiment… hors du commun, et on lui a proposé en plus de l'argent pour se taire, on lui a proposé aussi de l'argent pour écrire pour des chrétiens libéraux qui voulaient qu'il écrive pour lui. Il a toujours refusé et il a travaillé et mené ses réflexions philosophiques à côté. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, en tout cas sur ces sujets-là, même si on a compris que sur d'autres sujets il était moins en avance, mais sur le sujet de la religion et des relations entre le théologique et le politique, c'est vraiment la base pour moi. Si on veut comprendre la laïcité française, on lit le TTP et c'est bon, on sait, on a compris pourquoi. Je veux dire, il n'y a pas D'accord. besoin d'aller plus loin. D'accord, écoute. On va effectivement alors aussi en rester là. Je pense qu'on a fait un large tour de la question. Et donc, je te remercie, Cyril, pour cet échange toujours aussi sympathique et bienveillant. Merci à toi. Eh ben, merci à toi, Pascal. Merci pour cette interview. C'était très intéressant pour moi aussi. Je te Merci. remercie. À bientôt.